C'est bon? Ok. Alors, bonjour mes amis. Vraiment, je veux m'adresser particulièrement à tous les Africains qui sont en Europe. Alors, rester en Europe, ça ne veut pas dire que vous oubliez les réalités de l'Afrique. Est-ce que vous me voyez? C'est ça que les gens font chaque jour. Plus de 90% sont dans ce secteur-là. Ça, les maçons, les Zemidjaman, c'est-à-dire quand on parle de Zemidjaman chez nous, c'est les gens qui roulent taxi-moto avant de manger. Nos mamans, nos parents, tout le monde, c'est dans ce secteur. C'est chaque jour que tu dois sortir. Aller faire ça et revenir à la maison peut-être pour gagner 1000 francs pour nourrir ta famille. Si vous pensez que les mesures drastiques de l'Europe, c'est bon pour toute l'humanité pour pouvoir tuer le coronavirus, vous devez penser deux fois sur ce que vous envoyez sur les nets et ce que vous publiez et les décisions que vous demandez à nos États de prendre. Ces décisions-là ne sont pas des décisions pour les Africains. Alors, mes parents qui sont dans des villages et c'est le moment même d'aller aux champs cultiver. Maintenant, vous voulez arrêter. Et disons que tout le monde doit appliquer les mêmes mesures que les Européens, les Chinois, ils ont pris pour pouvoir vaincre le coronavirus. Donc, tout le monde doit être dans le même sens. C'est pas normal. Le secteur tertiaire en Afrique, c'est ça qui prévaut sur tout. On ne connaît même pas combien nous sommes en Afrique. OK. Et donc, s'il y a des mesures pour pouvoir lutter contre le coronavirus, vous devez réfléchir et faire des vidéos qui ont trait à la réalité de l'Afrique. Alors, fermer un marché en Afrique, c'est tuer toute la population. Ça, tout le monde va mourir plus que ce que le virus va faire. Alors, ça, je ne le dis pas parce que je veux que les gens participent ou bien sont des vecteurs de la maladie. Mais je publie cela pour que les mesures que les Africains doivent prendre doivent être étudiées chez eux et décider des choses concrètes pour les Africains. Alors, il est temps que nous réfléchissons et nous devons laisser tout ce qui est de l'Europe. Chaque fois, on copie, on vient coller sans réfléchir sur ce que nous sommes en train de faire. Alors là, vous pensez qu'on peut fermer les marchés en Afrique? Est-ce que les marchés en Afrique sont comme les marchés européens? Est-ce qu'il y a combien de supermarchés? Vous pensez que les manioc, on va aller déterrer les manioc pour venir mettre dans le frigo? C'est ça que vous voulez dire? Et combien de personnes qui sont dans une pièce et qui cuisinent dehors parce qu'ils vivent dans les cours communes? Vous voulez les fermer où? Alors, nous sommes où? Et chaque fois, on crie et on insulte nos gouvernements parce qu'ils ne prennent pas des mesures drastiques comme l'Europe. L'Afrique va mourir. Tout le monde est dans ce sens. Et puis, on insulte de gauche à droite sans réfléchir et sans dire quelque chose de concret. Hier, j'ai lu les ajournements que OMS avait fait que non, il ne tue pas la maladie. Le soleil ne tue pas la maladie, la chaleur ne tue pas la maladie. On s'en fout. Et après, on fait quoi? Qu'est-ce que OMS, pour le moment, il dit comme message d'espoir pour la population à l'avenir? Alors, ce n'est pas chaque jour on nous tue psychologiquement et puis on va rester dans le sens-là. Alors, nous devons comprendre qu'en Afrique, il faut étudier d'autres mesures. Ce que nous pouvons faire pour qu'on ne va pas tuer ni la population, mais essayer de trouver des moyens pour contrecarrer la maladie. Mais on ne doit pas rester dans le même sens que tout le monde parce que l'Europe a fermé les frontières. Donc nous aussi en Afrique, on va fermer les frontières alors que nos maisons n'ont même pas de portes. Maintenant, on ferme la frontière pour quoi? Pour aller où? Dans des forêts? Même dans la forêt, il y a combien de personnes qui vont rester à un mètre de distance en restant dans la forêt? Alors soyons vraiment des gens concrets. Et réfléchissons surtout les Africains qui sont un peu partout et ils pensent que c'est fini parce qu'ils sont en Europe, en Asie, aux États-Unis. Donc les mesures là-bas, c'est ça qui convient pour tout le monde. Ce n'est pas la même chose chez nous ici en Afrique. On doit réfléchir sur ce que nous sommes en train de dire et ce qu'on doit faire. On ne peut pas fermer les marchés, on ne peut pas fermer les boutiques chez nous ici, ça n'existe pas. On ne peut pas renvoyer les gens de rester à la maison parce que la population, ils mangent journalièrement. Donc c'est ce qu'ils gagnent, c'est ça qu'ils mangent.
Donc il n'y a pas de gouvernement en Afrique qui va nous dire il connaît 100% le nombre de sa population et il va envoyer à manger à toutes ces populations-là. Ça n'existe pas. Donc réfléchissons et communiquons vraiment des informations et des idées qui peuvent nous aider. Vous pensez que les gants coûtent combien? Un euro en Europe, ça fait combien en Afrique? Vous pensez que c'est tout le monde qui a de moyens pour acheter de gants, de cachinets et remplacer ça à chaque une heure de temps? En Afrique, on gagne combien par mois? Alors, je vous avertis de réfléchir et trouvons des mesures concrètes pour pouvoir sensibiliser les gens afin que les gens ne tombent pas dans le chaos que les autres pays sont déjà. Je vous remercie.